Le passage de l'Évangile que je vais vous lire comprend au moins trois affirmations qui vont vous faire peut-être sursauter. Des affirmations vraiment scandaleuses et incohérentes avec le reste de l'Évangile. Une telle accumulation de choses choquantes dans un texte essentiel des Évangiles n'est pas une erreur de copiste, bien sûr, mais certainement une volonté de faire choc. Et si Jésus et le rédacteur de l'Évangile, selon Marc, ont osé prendre le risque de paroles aussi choquantes, il faut que ce soit pour des raisons bien importantes, puisque ce n'est pas dénué de risque de se lancer là-dedans. C'est donc au chapitre 4 de l'Évangile selon Marc que je vous propose d'entendre les versets 10 à 34. C'est juste après le moment où Jésus a raconté la parabole du semeur. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui entouraient Jésus avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Et il leur dit, « C'est à vous qu'a été donnée la révélation du royaume de Dieu, mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. » Afin que, tout en regardant bien, ils ne voient pas. Tout en entendant bien, ils ne comprennent rien, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. Et Jésus leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous les autres paraboles ?» Le semeur sème la parole. Ceux qui sont le long du chemin où la parole est semée, c'est ceux qui ne l'ont pas plutôt entendu que le Satan arrive et enlève la parole qui a été semée en eux. Et de même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ce sont les hommes d'un moment, et dès que survient les épreuves, la persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres sont semés parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres ont été semés dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, qui l'acceptent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60 et un autre 100. Il leur disait encore, « Est-ce que la lampe se met sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas plutôt sur le chandelier ? Car il n'est rien de caché qui ne doive être manifesté, et rien de couvert qui ne doive venir au grand jour. Et donc, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Prenez garde vraiment à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous mesurez et on y ajoutera encore pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a rien, on ôtera même ce qu'il a. » Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et grandit sans qu'il sache comment. » La terre produit d'elle-même premièrement l'herbe, puis l'épi, et enfin le blé bien formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, eh bien on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, et par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais une fois semé, il pousse, il devient plus grand que toutes les plantes potagères. Il pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Et c'est ainsi par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre chacun. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter dans le psautier français le psaume 116, la version B, la version de Genève. J'aime mon Dieu car il entend ma voix. Je vous propose de chanter les strophes 1, 2 et 4, donc du psaume 116.
Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui, chacun en particulier. Permets que dans ces témoignages anciens qui sont dans la Bible, nous puissions découvrir ce que tu veux nous apporter aujourd'hui, en particulier dans le secret de notre être intérieur. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit, oui, c'est notre espérance, afin qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une ouverture pour notre espérance et un amour vrai pour animer notre vie. Prenez garde, nous dit Jésus, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a rien, on ôtera même ce qu'il a. Alors moi, je trouve ça très choquant. Le Christ n'est pas venu pour que les riches soient encore plus riches et que les pauvres qui n'ont déjà rien repartent à vide. Tout l'Évangile, et en particulier le Magnificat, les Béatitudes, mais bien d'autres gestes et paroles de Jésus aussi, nous disent l'inverse. Alors comment comprendre ce « à celui qui n'a rien, on ôtera même ce qu'il a » On ne peut en tout cas pas le comprendre littéralement, puisque littéralement ça n'a pas de sens, c'est impossible. On ne peut pas enlever ce qu'il a à quelqu'un qui n'a rien. Cette phrase invite donc, à mon avis, à prendre conscience d'abord de ce que nous avons. Il serait idiot de découvrir que l'on avait un trésor seulement au moment où un voleur vient nous le prendre. Et donc si nous pensions n'avoir rien, nous nous trompons, nous dit Jésus. Le semeur a semé largement, même dans les coins, même dans les endroits les plus improbables. Et puis Dieu est en tous, puisque chacun a reçu de son souffle. Et donc en pensant ne rien avoir reçu, c'est là que nous laissons piétiner, picorer nos qualités par n'importe quoi, nous les laissons brûler par la sécheresse de nos pensées, de notre cœur, des problèmes de ce monde. Et nous nous laissons envahir par ce qui est par ailleurs des justes préoccupations de la vie en ce monde, mais qui peuvent devenir envahissantes si l'on ne fait pas attention au trésor que nous avons en nous. Mais ce n'est pas simplement la parole de Dieu qui est donnée par Jésus, qui est semée, qui est valorisée ici par Jésus, mais d'abord ce que nous sommes. En effet, si la semence est une bonne chose, bien sûr, nous dit Jésus, ce qui est extraordinaire, c'est d'abord la terre, nous dit-il, la terre qui porte par elle-même, automatiquement, sans qu'on comprenne comment, du fruit. C'est la terre, c'est ce que nous sommes par nature qui a une capacité extraordinaire de faire grandir la vie, de faire naître la vie, et puis de produire du fruit, d'avancer. Le semeur n'y est pour rien, nous dit Jésus, et il ne sait même pas comment ça marche, en fait, cette terre miraculeuse. Et donc chaque personne a un fonctionnement unique qui surprend même Dieu par son originalité, par sa singularité, par sa créativité. La semence, nous dit Jésus, n'a aucun mérite de faire germer et de grandir. C'est la terre qui a fait tout le boulot d'elle-même, offrant par grâce la récolte au moissonneur.
Et donc celui qui pense n'avoir rien se trompe, et il se trompe lui-même, et il perd en ne les utilisant pas finalement les dons extraordinaires qu'il a reçus. Même celui qui n'a rien, même celui qui a refusé la parole, même celui qui a refusé la semence que Dieu jette en Jésus-Christ est et demeure riche d'une chose extraordinaire, riche de ce qu'il est, sans le savoir éventuellement. Alors celui qui a conscience de cette richesse qu'il possède, de cette richesse qu'il est, eh bien, même s'il est au cœur d'une tempête finalement, il est prêt à recevoir la semence, est prêt encore à semer finalement. Il est prêt pour l'espérance, il est prêt pour le miracle sans cesse renouvelé finalement, d'une vie nouvelle, inattendue, qui peut jaillir en nous, de l'amour qui existe et qui peut renaître en nous, du pardon toujours à ressusciter, plus que la haine, que la colère, que l'asthénie. Et donc, cet homme-là, qui se sait riche finalement, même dans la tempête, il peut offrir à d'autres cette richesse qu'ils lui ont donnée, car cette richesse se multiplie dans la mesure où on l'utilise, où on la donne. Donc oui, comme le dit Jésus, ça vaut le coup de prendre garde, non seulement à notre pauvreté, mais aussi à notre richesse, à notre extraordinaire richesse, et de prendre en affection cette richesse finalement, qui est aussi celle de notre prochain, même si parfois, comme le dit Jésus, elle est bien cachée sous un boisseau. Donc deuxième chose très choquante dans ce texte, c'est que Jésus semble faire la distinction entre ceux qui l'entourent, auxquels il explique tout bien, et puis ceux qui sont du dehors et qui n'y ont pas droit. Et là encore, ce n'est pas du tout le style de l'Évangile ni de Jésus. D'ailleurs, dans le texte, il dit bien, il n'y a rien qui ne doive être caché, mais ça doit être répandu partout. C'est un peu d'ailleurs le principe du semeur, en fait. Et donc, qui sont, en fait, ceux qui entourent Jésus et à qui il révèle les paroles du royaume, et qui sont ceux qui sont à l'extérieur et qui n'y ont pas le droit ? Jean Calvin, avec cette épouvantable théorie de la prédestination qu'il n'a pas inventée, mais qu'il reprend à son compte, et qui est peut-être le seul point, à mon avis, dans ses commentaires bibliques où il pète un peu les plombs, quoi. C'est cette double prédestination de Calvin, elle pense que les premiers, ceux qui reçoivent la parole du royaume de Dieu, ben c'est ceux que Dieu a choisis, en fait. Et puis les autres qui sont là à l'extérieur, ce sont ceux qui ont été sélectionnés par Dieu pour être perdus, voilà, c'est pas de chance, et Dieu les empêcherait de voir, d'entendre et de comprendre. Heureusement, ce n'est pas ce que dit ce texte de l'Évangile, il faut vraiment avoir envie de l'y trouver pour l'y trouver. Parce que, d'abord, ceux qui sont autour de Jésus sont simplement ceux qui sont restés pour lui poser des questions, et il n'est pas dit que Jésus les a écartés. Ensuite, les 12 apôtres, bon, eux, ils ont été choisis, d'accord. Mais ils sont à la fois du dedans et du dehors, en fait. On le voit, car ils reçoivent les paroles du royaume, mais bien souvent, ils ne comprennent rien. Et dans plein d'autres passages de l'Évangile, même cet Évangile selon Marc, Jésus leur dit, mais en fait, vous avez des oreilles, mais vous entendez rien, vous avez des yeux, vous ne voyez rien. Et puis Jésus est un peu énervé par cette manque de capacité des disciples, cette manque d'utilisation de leurs dons extraordinaires. Et la suite de l'Évangile continuera dans cette ambiguïté avec des apôtres qui sont à la fois les plus proches de Jésus et pleins de foi, mais aussi à l'extérieur et l'abandonnant. Il y a donc des personnes qui sont du bon côté et des personnes qui sont du mauvais côté, mais ce sont les mêmes personnes. Il y a du bon et du mauvais en chacun, ou plutôt il y a une partie de chacun qui est vivante et qui s'interroge. Et puis il y a une partie de chacun qui ne s'ouvre pas, qui ne comprend rien et qui n'attend rien en fait de neuf. Nous sommes donc tous à la fois athées par certains côtés, mais dans le royaume par d'autres, soit par le cœur, soit par la prière, soit par la pensée et l'intelligence, soit par des actes de générosité, mais sinon au moins par ce souffle qui fait de nous un frère ou une sœur de Jésus-Christ. Les personnes de la foule à qui Jésus n'explique pas la parabole,
Elles l'écoutent quand même un peu, elles sont quand même un peu autour de lui. Elles ne sont peut-être pas plus bêtes, ces personnes, que les apôtres, qui ne comprennent pas grand-chose non plus. Et elles n'écoutent peut-être pas avec moins d'attention ce que dit Jésus, mais simplement, elles ne cherchent pas à l'interroger. Elles ne s'impliquent pas intimement, finalement. C'est juste ça que dit le texte, en fait. Elles restent extérieures au débat. Peut-être parce qu'elles ne se posent tout simplement aucune question dans leur vie, ou bien qu'elles ne s'intéressent pas à la réponse que Jésus pourrait apporter. Et contrairement à ce que dit Calvin, Jésus s'intéresse aux uns, à ceux qui sont proches et qui posent des questions, et aux autres, à ceux qui sont extérieurs et qui ne se posent aucune question. Et il cherche à faire progresser les uns et les autres, mais il applique une pédagogie différenciée finalement, adaptée à chacun, en fonction de là où il en est. C'est ce que Jésus explique à la fin de ce passage que je vous ai lu. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre, et en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Mais en fait, littéralement, il n'y a pas marqué « il expliquait tout » à ceux qui l'interrogent, mais qu'il déliait toutes choses pour eux. C'est très différent. Il ne s'agit pas de leur révéler un secret réservé à des initiés, une bonne doctrine, si vous voulez, bien formatée, qu'il faut apprendre par cœur. Mais le but, c'est de les libérer, au contraire, dans toutes les dimensions de leur être, et que, voyant, ils puissent apercevoir vraiment, que, entendant, ils puissent vraiment entendre quelque chose de profond et de vrai, et puis qu'ils puissent réfléchir, mettre leur intelligence, leur capacité à prendre des décisions et à évoluer eux-mêmes dans leurs projets, dans leurs actions, dans leurs regards, dans leur écoute. Et comme chaque personne est différente, bien sûr, Jésus dit bien que cela ne peut se travailler qu'à l'écart, en particulier avec Dieu, à l'écart des autres, est-il écrit. C'est pourquoi, d'ailleurs, il n'y a pas de débat au cours du culte, comme après une conférence, comme dans une étude biblique, ou comme dans une assemblée générale, parce que la question n'est pas d'arriver à un consensus, finalement, ni même d'être d'accord ou pas d'accord avec ce que raconte le pasteur. L'enjeu, c'est que chaque personne, en particulier individuellement, puisse poser des questions et avoir ce travail pour soi, à l'intérieur de soi, avec Dieu, cœur à cœur, dans sa propre réflexion et dans sa propre prière. Alors la dimension de groupe ajoute quand même quelque chose. C'est de savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce « en particulier » avec Dieu. Que nous puissions sentir que nous le faisons tous en parallèle, finalement, et que, oui, si nous pouvons nous réjouir de ce que Dieu va dénouer en nous, finalement, dans ce travail, eh bien, nous pouvons nous réjouir aussi de ce que ça va dénouer chez les autres, parce que, finalement, tout cela, c'est une richesse qui nous est commune, finalement. Et oui, cela, pour ceux qui interrogent Jésus à l'écart en particulier, donc c'est ce qui va leur être permis. Mais pour les autres qui n'interrogent pas Jésus, eh bien Jésus propose une certaine pédagogie qui a de quoi nous faire là encore vraiment sursauter. Jésus dit qu'il leur parle afin qu'ils ne comprennent rien et surtout qu'ils ne se convertissent pas. Alors c'est choquant. Parce que la base même de l'évangile, c'est que le Christ est venu comme un berger pour aller chercher même la plus perdue des brebis perdues. Et l'évangile nous dit même qu'il finit forcément par la retrouver et par la sauver. C'est en tout cas ce que dit Jésus dans cette parabole de la brebis perdue. Eh bien, Marc ose pourtant nous rapporter ces paroles choquantes de Jésus, à mon avis, et qui sont d'ailleurs fidèles à l'original d'Ésaïe, et qui sont cohérentes avec l'ensemble du passage, parce qu'effectivement, Jésus laisse ceux qui sont à l'extérieur et qui ne se posent pas de questions sans leur expliquer la parabole du tout. Il les laisse comme ça, en plan. Et donc Jésus ne veut pas leur donner une explication de la parabole. Pourquoi ? Parce que s'il leur donnait une explication simple, ils seraient capables de se convertir à ce que Jésus leur a dit, et de transformer en dogme ce catéchisme que Jésus leur aurait donné, bien écrit, dans un parchemin, et qu'on pourrait adorer en se plaçant devant, dans une adoration. Et puis de se reposer ainsi sur une fausse justification trop simple, toute morte,
de leur être, de ce monde, de Dieu, et arrêter d'ouvrir les yeux, arrêter d'entendre, arrêter de se poser des questions, arrêter de réfléchir et de mettre notre intelligence dans un cheminement nouveau, vivant, et de s'enfermer dans une façon d'être qui nous dirait « Surtout, ne te pose pas de questions, car tu risques de sortir du vrai chemin, finalement. » Mais plutôt, finalement, s'il se convertissait ainsi, à ne rien regarder en dehors de ce parchemin qu'aurait donné Jésus, de ne rien écouter d'autre voix que ce qui est marqué sur le parchemin, et à laisser son intelligence, son cœur en friche, à l'extérieur de sa propre vie. Et donc Jésus ne se désintéresse pas des gens qui ne se posent pas de questions. Au contraire, il développe une pédagogie pour eux, finalement. Il se fatigue à inventer des paraboles qui sont jolies, qui sont pleines de questions, pleines de richesses, qui sont surprenantes, et ce n'est pas rien, finalement. Il se fatigue aussi à observer ce qui l'entoure, à essayer de voir où est-ce qu'ils en sont, finalement, de leur croissance, de leur développement, à sentir, finalement, s'ils sont capables d'entendre ou non, et ils s'adaptent, finalement, à chacun. La particularité de ceux qui sont dehors, selon ce texte, c'est qu'ils ne se posent pas de questions. Soit qu'ils ne s'en sont jamais posés, comme un bébé qui vient de naître, soit qu'ils croient avoir toutes les réponses, déjà, comme les intégristes de toute religion et de toute philosophie, car l'intégrisme n'est pas réservé aux croyants. En tout cas, pour ces personnes qui restent à l'extérieur des choses et des débats, toute information nouvelle glisse sur eux comme l'eau sur les plumes d'un canard. Ils ne regardent rien, n'écoutent rien, et ne sont donc pas mis en route par ce qui se passe autour d'eux. C'est ça, finalement, être en dehors du coup. Alors c'est confortable dans un sens, mais dans le mauvais sens. Le but de Jésus, c'est de les déranger dans leur confort. Le but de Jésus, c'est que ces personnes se posent des questions, qu'elles s'impliquent dans un regard sur ce monde, un regard sur leur propre vie, sur Dieu, sur leur entourage. Et c'est pour ça que Jésus les dérange avec des paraboles inexpliquées, par des gestes et des paroles choquantes, qui choquent avec leur façon de voir, qui choquent avec une conception simpliste de l'Évangile et de Dieu. Jésus brouille les cartes, il complexifie, il montre que même les principes les plus justes ont des limites, et que si on les pousse aux limites, ils deviennent absurdes, ils deviennent source de mort et de division. Il leur apprend que du neuf peut survenir comme une plante qui sort de terre, comme une plante sort d'un grain tout sec. Bref, Jésus, par ses paroles et ses actes, fait que la vie tout entière puisse devenir pour nous, pour chacun de nous, comme une parabole, comme une énigme qui nous pose question, qui nous invite à changer notre regard, à réviser nos préjugés, finalement, qui fait peut-être nous craquer ces préjugés, réveiller notre être dans son assoupissement. D'ailleurs, même ceux qui entourent Jésus en lui posant des questions, Jésus leur dit d'abord que c'était à eux de réfléchir, c'était à eux de chercher avec leur intelligence, qu'ils en sont dignes et qu'ils sont capables. Bon, puis après les avoir grondés ainsi, il leur explique la parabole. Mais son explication, en fait, elle rend la parabole encore plus dérangeante et encore plus compliquée, en fait. Donc c'est quand même une sacrée explication. Son explication, pourtant, commence bien, bon, avec une lecture métaphorique, comme Jésus le fait systématiquement quand il explique ses paraboles ou quand il explique ses gestes. Par exemple, comme la multiplication des pains, il propose une lecture métaphorique avec une réflexion sur les chiffres, sur les nombres de pains, de corbeilles, de personnes. C'est toujours un peu comme ça avec Jésus. Donc ils sont habitués, ils ne sont pas trop dérangés par ça. Jésus leur explique que le grain, c'est la parole. Bon, alors leur moulinette commence à se mettre en route après ce que Jésus vient de leur dire, qu'ils font partie de ceux à qui la parole du royaume est révélée. Ils comprennent qu'ils sont les terrains et qu'ils doivent recevoir cette parole du royaume, les paroles, les gestes de Jésus, la parole de vie, et qu'il faut juste faire bien attention à la protéger, l'aider à bien pousser, voilà. Et Jésus commence effectivement ainsi, mais bientôt il commence à mélanger deux interprétations différentes en même temps.
Et ceux qui l'écoutent sont à la fois la graine qui est envoyée dans le monde, qui est semée dans le monde, et la terre qui reçoit la parole. Et du coup, les disciples peuvent saisir que la question n'est pas d'avoir la réponse de Jésus, mais d'apprendre à se poser des questions et à chercher non pas une réponse simple nous-mêmes, mais une ouverture à plusieurs aspects différents de la question et à de nouvelles questions qui peuvent résonner entre elles. Notre rapport à la parole est d'écouter la parole, elle est d'entendre les paroles des autres et de produire une parole. Nous sommes à la fois le grain envoyé dans le monde, envoyé pour porter notre parole, qui soit en écho à la parole de Dieu. Nous sommes à la fois le terrain et les ronces, les oiseaux et les cailloux. Nous sommes disciples de Jésus, nous sommes apôtres, mais également l'oiseau qui picore, le grain. Et nous sommes la foule qui piétine, nous sommes la ronce qui étouffe. Nous sommes même le semeur, finalement, en suivant le Christ. Et tout cela interroge et nous fait découvrir que notre vie, que notre monde, que Dieu, que les relations entre tout ça sont infiniment plus complexes et plus riches, qu'elles se répondent de différentes façons. Et peut-être découvrir une vocation nouvelle qui sera notre vocation en particulier à un moment et dans des circonstances données. Et donc son explication, si je puis dire, est une invitation à redécouvrir que Dieu est une énigme en fait, que Dieu est une parabole qui échappe aux dogmes les plus raffinés. C'est une invitation à voir les autres comme un monde complexe aussi et qu'ils ne sont pas la personne que nous avons toujours pensé qu'elle est. C'est voir le monde et la vie comme une parabole qui nous pousse à dénouer, comme le dit Jésus, notre façon de voir, d'entendre et de réfléchir. Et donc Jésus, oui, cherche à réconforter ceux qui sont perdus un peu. Que vous le sachiez ou non, leur dit-il, nous dit-il à tous, vous êtes un magnifique terreau, vous avez, oui, des yeux pour voir, vous avez des oreilles pour entendre et vous ne le saviez peut-être pas. Vous avez une tête pour réfléchir et pour trouver du sens aux questions que pose ce monde. Et puis Jésus cherche, oui, ainsi à réconforter les personnes troublées, mais il cherche aussi à troubler les personnes trop confortables. Et dans l'un comme dans l'autre cas, Dieu nous apporte ce dont nous avons besoin en particulier. Et ainsi, il nous ressuscite. Amen.